est en maison. Il est content, bah ouais. Vas-y visiter. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler liberté, appartement, ce sera pas compliqué. Je vous pose une simple question. Vivre en appartement, ça fait quoi? Point numéro 1, qu'est-ce que ça fait de vivre en appartement? Point numéro 1, c'est pas compliqué. Quand tu vis tout seul en appartement, tu finis par te rendre compte au fur et à mesure que tu vis là, que tabarnak, ton esti de frigo, il se remplit pas tout seul, pis c'est la même crise de shit pour ton garde-manger. C'est de la maudite merde, ça. Ça, là, c'était un peu tannant pour ça. Aussi, c'est être obligé de trouver de quoi pour le décorer, tu sais, c'est obligé, il faut que tu décores un peu ton appartement, parce que quand il y a des gens qui viennent, ben, ils aiment ça voir quelque chose de beau. Mais le problème, c'est que tu calisses quand tu sais pas quoi mettre dans ton appartement, hein? Parce que moi, je suis pas un décorateur du tout, là, je suis pas professionnel là-dedans, je sais pas moi quoi faire. Fait que je vous avoue que, bon, quand je sais pas quoi foutre, j'improvise un peu. C'est quoi que tu visses, mon Steven? Une nouvelle déco? Avoir son appartement aussi, c'est être obligé d'entretenir son maudit ménage. Ah, oh, je suis tellement tanné du ménage, ça fait chier. T'sais, écoutez, moi j'ai un chien, fait que j'étais obligé de passer la balayeuse minimum une fois par jour. Mais bon, Yann de Saint-Cyboire de Calvados, tu passes ta balayeuse, tu passes ta mop, tu passes ta guenille, tu t'en reviens deux secondes après, c'est comme si t'avais jamais rien fait. Tu fais quoi dans ce temps-là? C'est plat? C'est chiant? J'ai lavé les toilettes, le gros. Colette, Shadow, tu sais même pas manger. Tabarnak! Tu sais, avoir son appart, là, ça a du positif aussi, là. Je sais que, puis tantôt, là, je fais rien dire un peu de mal, puis je dis que. Je dis rien que l'achète là-dessus, mais il faut que tu saches que, Chris, t'en as des points positifs quand t'habites seul en appart. D'un, t'as la liberté. Oui, hein, Chris, la liberté, parce que la liberté, là, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, c'est tes règles, t'es chez vous. Tu fais ce que tu veux. Mais la fin, c'est que des fois, c'est bien aussi chez papa-maman parce qu'ils te poussent dans le cul pour faire des affaires. Parce que des fois, t'es tellement libre, t'as tellement de liberté quand t'es tout seul chez vous que tu sais pas quoi foutre de cette liberté-là. Tu comprends? Sur ce, les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, laissez un maximum de pouces bleus, laissez un commentaire, partagez la vidéo, il n'y a aucun problème, allez-y, lâchez-vous. Moi, je veux que vous l'explosez à bord de pouces bleus. Live là, vous descendez en bas de la vidéo, là, juste ici en bas, là, puis vous me défoncez la putain de barre de pouces bleus. Sur ce, les gens, c'était Steven sur YouTube. Allez, ciao!